Je vous attendais. On verra ça plus tard. Allez, on y va! Aujourd'hui, le maniement de la dague. Pour rappel, la dague est une arme de défense qui a remplacé le bouclier, la rondache, pour être offensif en combat rapproché. Pour l'exercice d'aujourd'hui, on va reprendre notre montage habituel. Nous allons donc nous mettre en garde. La dague devant et la garde à gauche, donc pour un droitier, avec la rapière derrière. Pour ce qui est des parades, la parade de tierce, de quarte, de ronde, prime, voilà, toutes les positions sont inversées par rapport à la rapière. La parade de tierce, puis la riposte à la rapière, où on allonge d'abord la pointe, on vise la cible et on déclenche le développement. On peut aussi riposter en taille. Pour ce qui est de la riposte sur une parade de quarte, nous allons d'abord placer la pointe, allonger le bras, puis déclencher les jambes avec une légère fente diagonale à gauche pour avoir la cible et passer à côté de l'arme adverse. Nous pouvons aussi prendre une parade avec la rapière et venir riposter à la jambe, au bras ou en poussant la fente ici au buste. Sur une parade de prime, venir riposter à la dague, aux jambes, au bras, au buste. Nous allons maintenant reprendre les parades dans l'ordre. Tout d'abord, la prime. Pour la riposte, je place ma pointe, je tiens l'arme adverse, j'allonge le bras et je me fends sur la cible. Je peux aussi réaliser en couronnée. En seconde, j'écarte le fer en pointe sur la cible. Ou alors, la même en couronnée. Tierce, ici j'écarte le fer adverse en pointe et je me fends. La même chose en couronnée, j'écarte toujours le fer, j'arme et sur la cible. En quarte, par exemple, avec une petite quart de volte, et là, un couronné en volte. Et pour notre challenge du jour, il fait froid. Certains disent que ce sont les cinq glaces, moi je dis que l'hiver vient. Faites attention en sortant.